La veille manifestation opposition a été annoncée pour dimanche pour réclamer démission chef l'État en occasion 211e anniversaire création drapeau haïtien. Autorité ont provoqué un événement après-midi samedi. Les ont arrêté Bridsoukou, porte-parole Foparc la Ronnie Timothée, une opposant farouche qui en face pouvoir tête caléa. Selon première information yo, militant politique Lavalas la tap passé sous volant machine li sous route aéroport. Nan moment la police te braqué zam sou li, metel en état d'arrestation et puis bourrel nan yon machine pour pati ak li. Yon jour après ministre justice la Medjan Ronel Sanon, te mande citoyen yo pote plainte contre moun ka fè zak krasé brisé nan manifestation. Manda paquet Port-au-Prince la gede Roni Timotea fait konnen li gen sou dol akizasyon moun kap encourager crime et pi ki nan boule machine. Nan dernier manifestation Foparc, Mopod ak lot groupe opposant te fè merkodi nan Port-au-Prince pou make date 14 mai, protestatè yo te sakaje yon pompe gazoline, an pil koutwòch te pati, kaoutchou te boule, gaz lacrymogène te tombe tri bobabò, lè la police te empêche manifestant yo rive devant Palais National. Après la police te mené dirigeant Foparc la nan paquet, côté anken commissaire pas disponible pour interroger malgré présence avocali, yo te mené Roni Timothée al fè men nan gadavi nan commissariat Pétionville la nan finissement après-midi samedi a. Suiv déclaration de nan avocat prévenian, Maître André Michel ak Maître Mario Beauvoir, qui dénoncé arrestation sa comme yon zak politique gros pouyèt pouvoir commet. Yo te nan micro Fritzner Michel, Eddie Jackson Alexis ak Reginald Jean-Louis. Arrêté monsieur après-midi dans zone 3 mai ou d'aéroport et ça me capable li nan mandat d'amener yo te mettre contre li a son question de provocation au crime, incendie de voiture et yo fait référence à l'article 4 du décret du 23 juillet 1987. Son décret que monsieur dame CNG yo te prend. Les OT voulaient appliquer une politique de répression contre la presse, contre la liberté d'expression, contre la liberté de réunion. Bref, ces mêmes décrets qui ont râlé aujourd'hui, puis ont justifié répression politique qu'ils voulaient faire sous une série de militants politiques, de camarades de combat politique, Jean-Yoffel sous Timothée aujourd'hui. Et nous avons des confirmations qu'il y a d'autres mandats d'amener qui émettent contre d'autres camarades de combat politique. Nous avons des informations précises. C'est un avocat qui parle. Moi, je dis que nous avons des informations précises que nous avons l'autre et manœuvre de répression qu'a fait, gain l'autre mandat qui émet contre d'autres camarades de combat politique. Non, non, c'est pas la peine de le faire. Mais je vous donne cette vérité, c'est une garantie. Maintenant, comment nous comprenons ça? Nous comprenons très bien que nous avons une dynamique de répression politique. Nous comprenons très bien que pouvoir être calé à qui après 3 ans pas capable de livrer, yo pas capable de changer condition de la vie peuple haïtien, yo pas capable de changer condition de la vie paysan, yo pas capable de renforcer institution démocratique, yo pas capable de défendre dignité peuple haïtien. Et là yo gen des citoyens, des citoyennes qui bataille qui campent en face yo, et je dis ya yo décider passer dans l'autre phase là qui sont phase répression. Évidemment c'est bien compté mal calculé, cela ne passera pas, cela ne marchera pas cette manœuvre d'intimidation de répression politique. Maintenant, ce qui concerne ce mandat et les conditions dans lesquelles il a été arrêté, c'est des bagailles totalement inacceptables. Non, il n'y a pas les deux bagailles qui peuvent exister, il n'y a pas les deux provocations au crime. L'on moun font manifestation, le mandé moun yo vin manifester démocratiquement, pacifiquement, contre un gouvernement qui ne respecte l'engagement, où est la provocation? Là, on moun fait une manifestation, li invite la police, vient assumer responsabilité li, et que la police doit là pour garantir l'ordre public. Maintenant, l'ordre dit ou arrêter parce que le fait incendie de voiture. À partir de ce moment, c'est une plaisanterie. Bref, pour nous, sur le plan du droit, il n'y a pas de dossier, mais nous comprenons très bien que le dossier est politique. C'est des subterfuges y a cherché pour justifier une politique systématique de répression contre des militants, contre des camarades de combat. Et c'est preuve que Martelly lui-même, vraiment, il n'est pas dans une dynamique élection. L'élection n'a pas allé assez pendant ça, le quoi. Parce que là, on a une élection où chercher apaisement politique, là, on a une élection où chercher créer stabilité, où chercher créer paix sociale. Bref, pour nous, c'est la répression qui a continué. Et pour le moment, il va le mettre en garde à vue au commissariat de Pétionville. Et nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous sommes sur la balle. Et n'a fait tout ce qui est possible pour lui rejoindre liberté li le plus vite possible. Mais à noter que ce dossier, c'est un dossier politique. Il n'y a rien de droit
dans cette affaire. Pas rien de justice qui a réglé là. C'est le parquet de Port-au-Prince qui a continué à comporter comme un instrument de répression dans le pouvoir tête calée. Bon, pour moi-même, je trouve l'arrestation. C'est une arrestation qui est illégale, arbitraire. Et normalement, c'est anti-juridique. L'homme croit que monsieur est supposé comprendre que la justice n'a pas de fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça où procéder à l'arrestation des citoyens notables. D'ailleurs, Ronnie Timothée, son homme politique, et chaque fois que gagne une manifestation qu'il a faite, il prend toujours le soin pour lui inviter la police. Or, automatiquement, que la police invite l'homme manifestation, toute fauteur de troubles, tout le monde qui entend faire des ordres, la police a pour devoir pour procéder à l'arrestation comme ça doit. Et je dis à la, si lui-même, il te fait des voix ça, et que je dis à la, vous procédez à l'arrestation, ça veut dire c'est montrer ou montrer moi quelque sorte, pas gagner un droit, pas gagner rien qu'à respecter. Bon, normalement, pas qu'on gagne décision, d'ailleurs, il y a seulement gala avec lui, l'autre bois, pour mettre le garde à vue. Mais moi, j'étais quoi, lundi matin, bien bonheur, n'a pas là, deux pieds.